mes émotions aujourd'hui ont été extraordinaires. Je pense que ça a été une très bonne journée, que ce soit pour les gamins aujourd'hui qui étaient venus pour l'occasion. Donc c'est très bien, alhamdoulilah. On a fait quelque chose de bien. C'est une très bonne journée qui s'est bien passée. C'est le début de beaucoup de choses. Il y a le FMI, il y a la Banque mondiale. On a la Coupe du Monde en 2030. C'est que de bon augure tout ça. Mais alhamdoulilah, on est venu pour transpirer, ramener de bonnes émotions aux enfants. Et voilà, maintenant le cap est décidé. Et j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde, Inch'Allah. J'ai été les frissons. Les mêmes émotions les Canadiens disent la Coupe du Monde. Je l'ai eu après le discours du roi quand on a eu la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est moi, moi le Maroc et le football, c'est pratiquement tout. Donc le fait qu'on fasse la Coupe du Monde, c'est juste exceptionnel. C'est collectif, que ce soit du coach, c'est toute l'équipe en général. دارت الجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي القجع بحكم تواجد رجال المال والأعمال يعني الصندوق الدولي الوطني وكذلك البنك الدولي الأطر ديالو التواجد ديالهم بدنا معهم واحد مباراة ودية بالمناسبة في هذا أول مرة كيدار في دولة عربية وإفريقية من مدة 50 سنة هذا الاجتماع وبالتالي ففرحة والفرحة الثانية هو أنه غننظموا كأس العالم إن شاء الله ديال 2030 وبالتالي يعني كانت أجواء رياضية جميلة كانت فيها كرة كان فيها أهداف واللي زينا بزاف هو الجمهور اللي حضر اللي من الشباب والشابات وبالتالي كنتمنى بحال هاد المواعيد الرياضية تتكرر في جميع المدن المغربية إن شاء الله ليفينمون ديال اليوم كانت مزيانة صراحة حيت l'initiative, l'idée était bonne, c'était pour les gens qui ont été atteints de ce séisme ici à Marrakech et la région. Donc le fait de se réunir, il y a les anciens joueurs de l'équipe nationale, et il y avait aussi les gens de la FMI. Donc c'est une bonne chose de se rassembler, on a vu aussi pas mal de publics qui sont venus. Et se rassembler comme ça pour une bonne cause, c'est une bonne chose. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي